quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 60, les artistes sortaient des 45 tours 4 titres tous les 3 mois. Ils enquillaient, ils faisaient 1 à 2 albums par an, avec des chansons courtes, comme aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Ça allait très très vite. On vit aujourd'hui avec Internet, quelque chose d'un peu similaire à ce que l'industrie du disque a vécu dans les années 60, avec cet effet de précipitation, cet effet d'essorage. Mais en même temps, finalement, c'est peut-être une répétition de l'histoire. Avec Brawl, la suite, Angèle publie pas moins de 6 nouveaux titres. Mais beaucoup d'entre eux sont plus sombres et évoquent des aspects négatifs de la vie de la jeune chanteuse. Si Perdu racontait la récente séparation de son compagnon, J'entends parle d'acouphènes. Un sifflement continu qu'Angèle perçoit dans ses oreilles et qui ne lui laisse aucun répit. Je n'entendrai plus le silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça, c'est pour toujours. Toujours ce même sifflement. Et dans mes insomnies, j'en pleure. C'est comme un nouveau deuil à faire, celui du. Ce drame est consécutif à une erreur technique lors d'une prestation télévisée. En fait, déjà, faire une chanson sur les acouphènes, c'est assez inédit. Effectivement, je pense que ça l'aide à aller mieux d'en faire tout simplement une chanson. Mais je pense que c'est aussi important pour les gens qui en souffrent parce que on en parle assez peu, finalement. Et il y a énormément de gens qui sont touchés par ça. C'est pas quelque chose auquel on est sensible, je pense, quand on a moins de 25 ans, jusqu'à ce que ça nous arrive. C'est horrible, les acouphènes. Et le silence semble fort, mes acouphènes. J'entends, je sens, je pars, je me dis encore lui. Avec J'entends, Angèle signe un nouveau texte fort au sujet trop rarement évoqué, mais qui, là encore, la touche personnellement. Encore la réalité, toujours la réalité. Au final, elle réussit à utiliser chaque chose de son quotidien pour en faire un sujet de morceau, quoi. Attends, mais son frère, il a pas des acouphènes aussi? L'oreille siffle encore, putain. Effectivement, Roméo Elvis, le frère d'Angèle, sortait en 2017 le titre « Ma tête », une chanson qui parle d'acouphènes dont il souffre lui aussi et qui l'handicape beaucoup. Il y fait d'ailleurs référence dans plusieurs de ses titres. C'est un bon sujet. Mes problèmes d'oreille sont plus forts depuis mes 20 ans. J'espère arriver à percer avant mon tympan. Le docteur a rigolé grave. Quand je lui ai dit que la musique c'était un job et ça à plein temps. Game, cet acouphène fait les règles. Sensibilisé à ce mal, il n'hésite pas à en faire la prévention pendant ses concerts. En venant voir mes concerts, si vous ne protégez pas les oreilles, vous prenez des risques inconsidérables. Et ce ne sera pas moi le responsable, j'ai pas envie, d'accord? Alors la prochaine fois que vous venez ici, mettez des putains de bouchons dans vos oreilles. Protégez-vous, protégez vos petits frères, protégez vos petites sœurs. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Depuis son tout premier titre, Angèle n'a eu d'autre prétention que d'écrire des chansons à la fois engagées et qui lui correspondent. Parmi les thèmes que la chanteuse affectionne, il y a celui de l'homosexualité. Thème déjà abordé dans son premier album avec la chanson « Ta reine » que son public affectionne tout particulièrement. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Il y a très peu de chanteurs en France, en tout cas, qui font des chansons sur ce sujet-là. En plus, elle a un public jeune. Et donc, je pense que c'est bien pour ce public-là aussi de s'impliquer tout de suite dans ces sujets-là, comme l'homosexualité. C'est important de montrer qu'une femme avec une femme, c'est pas grave. Et c'est bien aussi pour cette génération d'avoir des modèles, en fait, d'avoir des pop stars qui dédramatisent tout ça. Elle peut être la fille au saut du lit, sans maquillage, la fille hyper apprêtée, la fille avec un garçon, la fille avec une fille, et tout ça passe sans aucun problème. Et encore une fois, avec Ta reine, c'est encore une jolie chanson, assez finalement assez acidulée aussi, qui va passer très bien auprès des petites filles, des petits garçons, des mamans, qui vont peut-être se dire bah ouais. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine. Preuve de l'importance de cette chanson pour Angèle, lors de la réédition de son album, Angèle a sorti une version orchestrée de Ta reine. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, le roi, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Ce que j'aime bien dans l'attitude d'Angèle, c'est qu'il y a quelque chose de très libéré. C'est pas militant, quelque part. C'est ça que j'aime. Il n'y a rien de militant, c'est juste communiquer la joie d'aimer être qui on est.
Novembre 2019, un magazine People dévoile des photos volées d'Angèle au bras d'une autre femme. Et il n'en a pas fallu plus pour que les rumeurs sur sa bisexualité soient enclenchées. Je m'attendais à des ragots, mais pas à ça. C'est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l'image qui ferait vendre. J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Avec l'arrivée du succès, il y a le revers de la médaille. Les jalousies, les haters, les paparazzis. Tout cela, pour une jeune femme encore inconnue il y a 18 mois, ça fait beaucoup. Ces derniers mois, les premières critiques sont apparues. Son succès colossal, ultra rapide, dérange. Je pense qu'à ce niveau de notoriété, il y a forcément des gens qui ne comprennent pas ou qui interprètent mal. Moi, pour l'avoir rencontrée et avoir collaboré avec elle, c'est quelqu'un de très joyeux, de très expressif. Mais la notoriété use. La notoriété use, et quand vous ne répondez pas positivement à tout, les gens ne comprennent pas. Quand je l'ai interrogée, moi, elle me disait « je ne sais pas si je fais bien ». En étant aussi accro à Instagram, je ne sais pas si je suis toujours juste. Peut-être qu'il va me falloir une psychothérapie, 22 ans, on vous dit ça. Parce qu'il y a un moment, après les Victoires de la Musique et ces quatre Accor Arena blindés, on a senti dans sa communication, je suis au bord de la falaise. Comment je vais négocier le vide? Vais-je avoir assez de larmes pour me soigner de ce manque qui va forcément se créer avec l'arrêt de la promotion de son disque? Donc elle partage ça aussi, ce qui n'était pas... Avant, c'était un peu tabou. Pour Angèle, le plus dur va commencer. Elle qui a affirmé vouloir faire une pause en aura-t-elle le temps? Ce jeune public qui se lasse vite l'attendra-t-elle? Il faut dire que ces derniers mois ont émergé sur la scène musicale française plusieurs jeunes chanteuses tout aussi prometteuses telles que Aloïs Sauvage, Ochi, Maëlle, Suzanne ou encore Pomme. Le succès qu'elle a eu, elle a permis de mettre d'autres artistes en lumière. En tout cas, elle a suggéré aux médias et au public de s'intéresser à des artistes féminines, jeunes, qui justement assument une certaine sensibilité et une certaine démarche artistique. Je pense qu'Angèle, elle est dans la lignée d'un renouveau pop qui est né il y a quelques années en France, où on a enfin compris que la pop en français, bah oui, c'était très bien et c'était possible malgré ce qu'on nous disait depuis des années. Depuis plus de 2 ans, Angèle a vu sa vie se transformer. Des premiers concerts dans des bars vides, elle remplit aujourd'hui les plus grandes salles de spectacle. Jusqu'à se produire 4 fois consécutives à l'Accor Hotel Arena. Et son album, lui, s'est vendu à plus d'1 300 000 exemplaires. Mais dans le même temps, la presse People et les paparazzi épient ses moindres faits et gestes. Est-il alors possible de garder la tête froide? Et comment ne pas être emporté dans ce tourbillon qui semble toujours prendre plus d'ampleur? Il faudra, à mon sens, qu'elle en fasse une de pause, puisqu'elle l'a exprimé, elle a exprimé cette envie-là. Et je pense qu'après, si on est un peu bien entouré, si on est assez équilibré, on fait ce qu'on a à faire, on vit et on se ressource pour pouvoir peut-être écrire et dire d'autres choses. En fait, ce qu'il faut pour un artiste, pour écrire, il faut vivre. Et peut-être qu'elle n'a pas le temps de vivre assez aujourd'hui. Une vie de femme à accomplir et à nous raconter dans un deuxième album, qui, même s'il se vend 10 fois moins, c'est-à-dire qu'elle passe de 700 000 à 70 000, ne la fera pas disparaître pour autant. C'est aussi ça qu'il faut qu'on retienne dans cette histoire, c'est que quand on a irrigué la société de façon aussi importante, aussi forte, si on sait s'arrêter, si on sait prendre du recul, on sait aussi créer du désir. Il y a trop de gens qui t'aiment, et tu ne...